Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire Focus sur le podcast. Voilà, c'est un plaisir pour nous de vous rejoindre cet après-midi. Alors, simplement avant de démarrer ce webinaire, on va déjà remercier SmartLux pour l'invitation et je vais céder la parole à Julie Pierson pour l'introduction de ce webinaire. Bonjour Voilà, Julie. vous m'entendez. Bonjour, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre progressivement dans ce webinaire pour la cinquième édition de la SmartLux. En tout cas, nous, à l'Instance Bassin, on souhaite surtout vous remercier à l'équipe dynamique de Formaform d'avoir encore répondu présent cette année. C'est un vrai plaisir. On n'en doute pas que ça va être à nouveau une expérience enrichissante et qu'on en ressortira certainement énormément de choses pour notre pratique professionnelle. Donc, d'ores et déjà, un grand, grand, grand merci de votre mobilisation. Une fois de plus. Je remercie également les participants derrière leurs écrans. J'espère que voilà, ils prendront beaucoup de plaisir avec nous cet après-midi. Voilà, merci beaucoup. Je te rends la parole, Chloé. Bon séminaire à tous. Merci beaucoup, Julie. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, simplement petit point technique. Donc, nous sommes sur Teams, en tout cas pour 7h30, tous ensemble. On va juste vous demander, eh bien évidemment, pour que ce soit plus confortable, de couper vos micros. Là, je pense qu'en tout cas, les micros, tout le monde semble coupé. Idem pour les caméras. Mais n'hésitez pas évidemment à interagir avec nous. Donc, vous avez l'onglet conversation qu'on voit ici donc à l'écran sur le visuel. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions tout au long du webinaire. La partie questions viendra vraiment en fin de ce webinaire, mais donc vous pouvez aussi les poser au fur et à mesure et on prendra vraiment un moment sur la fin pour répondre à toutes vos questions. Si jamais vous rencontrez un bug éventuel, le seul conseil qu'on peut vous donner, c'est de vous déconnecter et de revenir par le lien avec lequel vous avez pu nous rejoindre aujourd'hui. Alors, simple dernière information aussi, mais d'ailleurs, je vois qu'il y a déjà la question. Oui, le webinaire est enregistré, donc il y aura aussi un replay qui vous sera envoyé, et donc en effet, il est enregistré. Voilà pour les petites règles pratico-pratiques de Teams pour démarrer ce webinaire. Alors, d'abord, mais qui sommes-nous? Donc, mais nous sommes quatre aujourd'hui et nous venons de Formaform. Alors, Formaform se situe donc à Louvain-la-Neuve et en fait, donc, nous organisons des formations qui sont principalement dédiées aux acteurs de la formation professionnelle et de l'insertion socio-professionnelle. Alors, aujourd'hui, donc, on a avec nous Sophie. Bonjour, Sophie. Donc, Sophie sera donc la personne qui va répondre à toutes vos questions Bonjour sur le Chloé, webinaire. bonjour tout le monde. Nous avons également donc Olivier. Je suis très heureux d'être là. Bonjour à tous. Bonjour Olivier. Donc Olivier fera la partie principalement introduction de ce webinaire. Et enfin, nous avons également Céline qui sera là surtout pour toutes vos questions. Bonjour Céline. Bonjour à tout le monde. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, bon, on a envie de prendre un petit peu votre température. La météo commence aussi à s'élever, le soleil revient, et on a envie de voir un peu mais dans quel état d'esprit votre humeur du jour dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Et donc, pour ce faire, on vous a mis cinq intitulés de chansons. Et l'idée, c'est de voir un petit peu quelle chanson vous représente plus aujourd'hui. Donc, vous avez cinq propositions et vous pouvez évidemment noter dans la conversation la chanson qui représente votre humeur du jour. Donc, on a autant Happy de Pharrell Williams, Résiste de France Gall, on a du Queen, on a les Beatles et on a également Sam Cooke. Alors, je vois quand même qu'on a déjà du Happy, oui. On a du Résiste aussi. Du Queen, Don't Stop Me Now, oui. On a du help pour Sophie. Sophie, nous sommes là. Ok, super. Donc voilà, ça permet de voir un peu dans quel état d'esprit vous êtes et aussi bien de s'assurer que vous avez bien accès à la conversation. Donc, super pour démarrer. Alors, petite mise en bouche, eh bien, le programme, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? Il y a trois grandes parties. Donc la première, on va voir finalement mais qu'est-ce qui se cache derrière ce mot podcast, ses chiffres et ses utilisations. Ensuite, nous aurons une deuxième partie qui va permettre de voir finalement mais pourquoi et quels sont les avantages à utiliser le podcast dans l'insertion professionnelle et où dans la formation. Et enfin, la troisième partie, eh bien, Sophie nous délivrera ses conseils pour créer ou réutiliser des podcasts existants. Voilà en termes
deux programmes. Alors, donc, comme je l'ai dit, après ces trois parties, il y aura un temps qui sera prévu pour vos questions. On prendra vraiment le temps d'y répondre. Et également, donc, vous recevrez par email après ce webinaire la présentation ainsi donc que le lien vers un replay éventuel. Voilà, voilà pour le début. Alors, eh bien, je vous propose de passer donc la parole à mon collègue Olivier pour qu'il nous fasse donc une introduction sur la communication à l'ère du numérique. Ah, le numérique, eh oui. La semaine SmartLux, c'est bien communication à l'ère du numérique. Et on s'est dit, comment introduire ça? Comment introduire le podcast? Comment mettre le podcast en musique, quelque part, dans cette ère du numérique? Et une solution est apparue parce qu'on s'est dit, finalement, avant le numérique, eh bien, il y avait quand même l'analogique. Et je crois que mon petit... Voilà, je suis... Super. Et c'était le numérique. Avant le numérique, c'était donc l'analogique. Alors, on se propose d'abord de prendre une petite pensée, d'avoir une petite pensée pour cette ère analogique qui commence avec l'électricité. Et c'est à cette époque technique que commence vraiment cette ère analogique, puisqu'elle va traduire quelque part le son, la voix, l'image dans un signal analogue, électrique bien sûr, un signal analogue vers analogique. Alors savez-vous, remémorez-vous, à partir de quand cette ère analogique a-t-elle commencé à s'éteindre? Eh bien, excusez-moi, j'ai un petit souci avec technique, mais ce n'est pas grave, on est à l'heure numérique, donc tout va bien. J'ai simplement laissé le contrôle à ma collègue, voilà, et revenir au tout début, s'il vous plaît, c'était en 1947, où on voit apparaître un tout petit objet muni de trois branches, comme vous le voyez à l'écran, et qui s'appelle le transistor. C'est un semi-conducteur. Oui, ça passe, non, ça passe pas. Et c'est ce petit élément qui permet une véritable révolution. Il est économique, il est fiable, et ses applications dans l'électronique sont multiples. C'était en 1947, c'était il y a 75 ans. Et cette invention a envahi l'ensemble du matériel électronique de l'époque et ça a permis aux ordinateurs de devenir plus petits comme celui-ci que vous avez à l'écran, c'est-à-dire c'est un ordinateur des années 50, c'est-à-dire qu'il pouvait être installé dans une pièce d'une dizaine de mètres carrés et ces ordinateurs ont pu voir le jour et envahir les locaux des très grosses entreprises à ce moment-là. Cette évolution a permis le développement des circuits intégrés et de puces électroniques. Et les puces électroniques, pour la petite histoire, ce sont des mini transistors qui sont agglomérés les uns aux autres et qui font en sorte que ça fonctionne encore plus vite et encore mieux. Sont apparus alors certains jeux vidéo, je ne vous dirai pas les marques, hein, certains ordinateurs personnels sans grande envergure, malheureusement on ne va pas leur dire non plus. Par contre, en 1976 apparaît quelque chose de magnifique, quelque chose qui ressemble à la nature et qui va envahir notre vie. Oui, c'est une pomme, bien sûr, et à ce moment-là, chaque foyer de la classe moyenne va pouvoir avoir les moyens de s'offrir son ordinateur personnel. Je passe l'historique sur cette pomme parce que ça, c'est pas important maintenant, mais sachez simplement que grâce à cette idée de démocratisation de l'utilisation d'un ordinateur, l'ère numérique prend un tout nouvel envol, et cet envol, à partir de ce moment-là, on a une utilisation de l'ordinateur qui est enseignée dans toutes les écoles supérieures. Toutes les petites entreprises peuvent se permettre d'investir dans un ordinateur pour remplacer, rappelons-nous, la machine à écrire électrique, la machine à calculer, les fichiers de stock, etc. Et si l'utilisation auprès des particuliers est encore balbutiante, les entreprises, elles, investissent à tour de bras pour, comme on disait à l'époque, s'informatiser. À ce moment-là, on voit sur les offres d'emploi, pouvoir utiliser un traitement de texte ou un tableur, est un must. Les techniques de traitement de l'information sont présentes dans toutes les entreprises performantes. Il reste maintenant à rendre possible leur connectivité vers l'extérieur. C'était il y a 30 ans. En Belgique, c'est dans les années 90 que l'on voit apparaître d'abord une connexion extérieure avec un modem. Un modem qui va traduire le signal numérique en signal analogique et puis
On aura une ligne ADSL, numérique cellulaire, et puis une connexion au début parce qu'on a besoin de plus en plus de capacités. Parallèlement à cela, les réseaux téléphoniques sans fil se développent, permettant à Nokia d'être leader mondial de la téléphonie mobile dans le monde. Tous les cadres d'entreprise ont leur GSM. L'informatique continue son évolution, le net augmente, la rapidité, la miniaturisation, les capacités de stockage, le nombre de connexions augmentent de manière exponentielle. À cela s'ajoute l'accessibilité économique de ces différents outils. Fin des années 90, début des années 2000, la plupart des jeunes adultes ont un ordinateur et un GSM personnel. À nouveau, on se retrouve sur une courbe exponentielle quant à l'utilisation, à l'accessibilité et aux performances des appareils numériques. Cette même progression s'opère sur Internet où l'on voit apparaître des moteurs de recherche, vous voyez, la Yahoo, Google, et, qui permettent un accès simple et immédiat à toute information. Et cette courbe continuera à filer vers le haut avec la création des réseaux sociaux virtuels. Et oui, une petite larme pour Caramel, qui vont augmenter le trafic afin que l'utilisation sociale du numérique soit bien présente dans nos vies. Autre élément qui est apparu il y a 14 ans, non, c'est pas le monsieur, mais c'est bien ce qui tient dans la main, l'iPhone. Ce qui est révolutionnaire, c'est que maintenant, vous avez le monde entier au bout de vos doigts. Ce n'est pas seulement un téléphone, il ouvre un nouveau champ plus étendu, plus intime, au numérique, dans votre vie de chaque jour. Le développement des applications permet un accès encore plus rapide et plus aisé aux différentes ressources qu'offre Internet. On assiste à une dématérialisation accélérée de toute l'information, une grande partie des services, les plateformes musicales, les plateformes de téléchargement de films, le commerce en ligne, les réservations d'avions et une multitude d'autres services. Eh bien, il se retrouve en ligne. Vous pouvez surfer quand vous voulez, vous pouvez poser toutes les questions, il y a une réponse immédiate, vous pouvez écouter la musique, vous pouvez prendre des photos, vous pouvez les poster sur tous les réseaux sociaux, tout ce que vous voulez. Vous êtes comme le monsieur, vous êtes au centre. Si le numérique envahit l'espace privé, le numérique envahit également tout l'espace professionnel. Et vous voyez que quand on dit tout l'espace, c'est tous, car grâce à cette nouvelle connectivité, cette miniaturisation, tous les corps de métier utilisent maintenant au moins un appareil numérique. Celui-ci est capable d'entrer en connexion avec d'autres afin que l'ensemble de l'information soit traitée à tout instant et disponible partout. L'ère numérique, c'est aussi la dématérialisation de l'argent, l'automatisation des transactions et quelque chose qui va arriver vraisemblablement envahir de plus en plus notre quotidien, l'intelligence artificielle. Tout cela va continuer son petit bonhomme de chemin jusqu'en février 2020, en tout cas en Belgique, février 2020. Jusqu'à ce moment-là, certains, eh oui, rappelons-nous, certains niaient la place qu'occupait le numérique dans la société. Si la révolution numérique démarre avec un petit transistor, elle va s'inscrire et devenir évidente en 2020 grâce à un petit virus. Et oui, durant ces deux dernières années, nous sommes restés la plupart du temps chez nous, à la maison, laissant les rues relativement vides. Nous avons appris, moi j'ai appris en tout cas, à faire du pain, des tartes et d'autres choses. Et le numérique est devenu le passage obligé pour pouvoir continuer le plus souvent à travailler. Mais aussi à se former, à faire les courses, à s'informer, à être en contact avec des proches, à effectuer toutes les démarches administratives courantes, etc., etc., etc. Aujourd'hui, l'évidence est numérique. À nouveau, nous remonterons cette courbe car durant ces deux dernières années, l'utilisation et les applications, rappelez-vous l'application Teams, celle que nous utilisons maintenant, cette adaptation, cette évolution qu'elle a pu avoir durant ces deux dernières années est extraordinaire. Et toutes ces applications se sont développées avec un taux de croissance exponentiel. Nous voulions vous proposer ce petit historique pour pouvoir vous mettre dans l'ambiance, dans le contexte de l'ère numérique et prendre conscience que la fulgurance des évolutions que nous fait vivre cette ère est bien là, présente et à venir. Et comme on est à l'ère numérique, ça n'empêche que la communication,
c'est toujours le gros point d'interrogation. Le numérique est partout autour de nous, et même pour certains d'entre nous, il est en nous. Alors qu'en est-il de cette communication? Ben, que ce soit en direct ou via le numérique, on a toujours un émetteur, un récepteur. Ces deux acteurs ont leur code, leur langage. Il faut pouvoir se connaître, utiliser les médias qu'il faut, les outils qu'il faut, pour faire en sorte qu'on intègre le message et que le message, effectivement, puisse circuler entre ces deux acteurs. En clair, à qui veux-je m'adresser? Quel est son langage? Par quel média vais-je pouvoir m'adresser à lui? Quels outils vais-je utiliser et à quelle fin? Est-ce que cet outil est bien disponible pour tous? Est-ce qu'il est bien accessible pour tous? Est-ce que je vais pouvoir intégrer toute cette technologie dans cette communication et à bon escient? Alors, effectivement, je parlais du pain tout à l'heure, effectivement, des outils numériques, c'est un peu comme les pains, il y en a une foultitude, et comment les choisir? Alors, il faut d'abord et avant tout connaître son objectif, il faut connaître son public, ses motivations, ses usages et ses codes. Et puis j'ai envie de dire, eh bien, l'outil crée l'usage et l'usage, crée l'outil. C'est une petite phrase qui met à mal la recherche de l'outil parfait parce qu'il n'y en a pas. Le fait d'apprendre un outil comme aujourd'hui le podcast va vous permettre d'imaginer un usage adapté à vos besoins et le fait de réfléchir à vos besoins vous poussera à aller chercher l'outil qui sera le plus utile aujourd'hui pour vous. Mais ça va changer évidemment puisque cette ère numérique évolue en permanence. L'important est donc de se focaliser sur la meilleure manière d'atteindre vos objectifs. À l'ère numérique, l'immédiateté, l'instantanéité, la facilité sont la norme. Et pour l'apprentissage, le temps est une nécessité. Le challenge, c'est donc de scénariser, de créer une histoire au travers différents outils afin de maintenir le niveau d'attention durant tout l'apprentissage. Pour résumer, l'heure du numérique, c'est l'ère du multiple, de l'évolution et de l'instant. Aucun temps mort ne doit exister. Dans ce contexte, l'outil audio est particulièrement intéressant et c'est pour ça qu'on veut porter un focus dessus aujourd'hui, car il mobilise moins de capacité d'attention et permet donc une utilisation plus agile. On peut écouter un podcast pendant que l'on pratique une autre activité. Ce n'est donc pas un hasard que ce support de formation est un succès grandissant actuellement. Mais comment le concevoir, comment le construire, comment l'utiliser, comment l'exploiter? Eh bien, c'est ce que vous allez découvrir tout de suite avec notre experte du jour, Sophie. Merci. Merci Olivier pour cette belle introduction historique et ces petits clins d'œil nostalgiques. Alors, je vous propose donc d'entrer dans cette première partie, donc le podcast Chiffres et Utilisation. Et Sophie, la première question que j'ai envie de te poser ce jour, c'est finalement, qu'est-ce que c'est qu'un podcast? Bonjour Chloé, bonjour à tous. Alors, un podcast, qu'est-ce que c'est? Un podcast, c'est un contenu audio, numérique, que l'on peut écouter n'importe où, n'importe quand, parce qu'il est possible de télécharger ce contenu. Il fonctionne grâce à une technologie qu'on appelle le flux RSS. C'est un système qui est aussi employé par les blogs et les forums. C'est donc une émission auditive, sans image. Mais avant d'aller plus loin, Chloé, je voudrais poser une petite question à nos participants. Je voudrais savoir si quelqu'un sait ce que signifie le mot podcast, voir s'ils savent d'où vient ce terme. Voilà, n'hésitez pas donc à vous partager les réponses, les idées donc via la conversation de ce webinaire. Non. Bien, on va au moins apprendre quelque chose aujourd'hui. Après, il y a encore deux personnes qui sont en train d'écrire, au minimum en tout cas. On sait ce que c'est, mais pas la définition exacte. Aucune idée. Google, mon ami. Il n'y aura pas besoin d'aller écouter, d'aller chercher sur Google, je vais vous l'expliquer. On fera notre Google, Sophie. Voilà. En fait, le mot podcast, c'est la contraction des deux mots iPod et broadcast, qui signifie émission en anglais. Et en fait, c'est un journaliste britannique, Ben Hammersley, qui l'invente par hasard dans un article du Guardian en 2004.
Et dès l'année suivante, le 28 juin 2005 pour être très précise, Apple s'empare du terme et le rend public en l'introduisant dans la version de son logiciel iTunes qui permet la synchronisation avec l'iPad. Voilà, donc iPod, Broadcast, Podcast. Merci Sophie. Alors Sophie, moi j'ai entendu dire qu'il existait plusieurs sortes de podcasts. Est-ce que tu peux un peu nous éclairer à ce sujet? Oui, alors on classifie en général les podcasts en deux types. D'un côté, les replays d'émissions radio, et de l'autre côté, ce qu'on appelle des podcasts natifs. Alors, les replays d'émissions radio, ce sont évidemment des podcasts puisque ce sont aussi des contenus audio sans images. Ces émissions maintenant peuvent se réécouter à tout moment via des plateformes telles que Ovio pour la RTBF. Et alors les podcasts natifs, eux, ce sont des podcasts qui sont créés expressément pour la diffusion vers un public sans passer par une émission radio. Ils sont réalisés par toutes sortes d'associations, de personnes qui sont issues d'horizons professionnels, de cultures extrêmement variées et diversifiées. Et alors parmi les podcasts natifs, on peut de nouveau faire une autre ramification. Il y a des podcasts indépendants qui sont créés par un individu, un groupement, une association, et des podcasts qu'on appelle des podcasts de marque, donc qui sont orchestrés par des agences de création de podcasts ou des maisons de production qui produisent leurs propres podcasts. Le podcast devient alors un outil supplémentaire dans le dispositif de communication de l'entreprise pour capitaliser sur son référencement, sa communauté ou encore sur sa notoriété. Et donc, on a quelques exemples. Par exemple, il y a des podcasts de la marque Eucérine pour les problèmes de peau. Les mousquetaires, donc Intermarché, ben, fait aussi ses podcasts sur les mousquetaires, l'histoire des mousquetaires. Merci Sophie. Alors j'imagine qu'il existe différentes formes de podcasts. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer, s'il te plaît? Oui, en fait, les formes de podcasts, en fait, ce qu'ils proposent, c'est vraiment très divers, très varié. Ça va de l'histoire à l'interview, en passant par une recette de cuisine, par des réflexions, des mises en situation, etc. Et alors, quel que soit le sujet, ils peuvent être enregistrés soit en studio, soit in situ. Et c'est ce qu'on appelle des streetcasts, en fait. Alors là, par contre, je ne sais pas nos auditeurs, mais moi, avec In Situ et Streetcast, ça ne me parle absolument pas. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce qu'il y a derrière ça? En fait, in situ, c'est donc être dans la situation et streetcast, ben, ça veut dire en rue. Et donc, ça veut dire que ces podcasts sont enregistrés non pas dans des studios, mais en milieu réel. Donc, si on veut parler de permaculture, eh bien, on va s'enregistrer dans son jardin et en fond sonore, on aura les petits oiseaux qui chantent, les vaches dans le pré voisin et des trucs comme ça. Et alors, il y avait un très chouette podcast que j'avais écouté qui s'appelle Anarchiste et fille de flic. Et donc, c'est une interview et cette jeune fille est parfois interrogée en studio et parfois lors de manifestations. Et donc, on entend à l'arrière les bruits de la manifestation. Ça permet d'être plus touché, peut-être aussi par certaines situations, de les vivre réellement avec l'audio qui va avec. On est vraiment en immersion. Voilà, tout à fait. Merci Sophie. Alors, ben, ce qu'on a envie de savoir aussi, c'est finalement quelle est la durée générale d'un podcast. Et puis, ben, il semble aussi qu'il y ait des podcasts en série. Donc, voir un petit peu au niveau fréquence, qu'est-ce qu'on y met derrière? Alors, la durée d'un podcast est aussi très variable. Ça va de 5 minutes à 1h30. On trouve tous les modèles possibles et inimaginables. En fait, c'est bien souvent le contenu qui va déterminer la durée de l'enregistrement. Par exemple, des histoires ou des interviews sont souvent des formats plus longs que des petites séquences d'informations. Et alors, tu parlais de fréquence. En effet, derrière le mot podcast, il se cache aussi une idée de série. Et donc, ça signifie que l'on retrouve plusieurs épisodes d'une durée similaire qui sont postés à des fréquences régulières. Alors, ça peut être une fois par semaine, une fois par mois, deux fois par mois. Ça dépend un petit peu de qui les poste et de ce qu'on a à dire, en fait. Merci.
Alors, ben si, en tout cas, Sophie, tu viens un peu de nous expliquer ben, c'est quoi finalement un podcast, hein, aussi, donc un peu un bref historique. Et maintenant, je te propose qu'on entre dans une dimension un peu plus chiffrée pour voir finalement ben, qu'est-ce que ça représente en termes de chiffres. Mais avant ça, Sophie, je te propose justement de demander à nos auditeurs si eux aussi écoutent des podcasts. Alors, normalement, vous recevez un sondage qui s'affiche sur votre écran ou dans la conversation de la réunion. Et donc, la question, c'est écoutez-vous des podcasts? Je vois que ça commence à répondre. En tout cas, la majorité du groupe semble écouter des podcasts, Sophie. En effet, en effet. Ah ben voilà. J'aurais peut-être moins à expliquer. Donc on est, voilà, on est pour le moment sur 12 réponses et sur les 12, on en a 8 en tout cas qui écoutent des podcasts. Mais je vois Céline qui vous relance en demandant, bah, tiens, lesquels, en effet, hein, quel style, ça peut être intéressant aussi pour nous de voir quelle thématique finalement vous suivez en podcast. Alors, en termes de chiffres, Sophie, peut-être, est-ce que tu peux nous dire ce que ça représente comme intérêt du public? Alors, en fait, au début, donc au tout début de l'ère podcast, donc en 2005, il y en avait 3 000 qui étaient disponibles. Et en mars 2021, dernier chiffre que j'ai pu obtenir, on en comptait plus de 2 millions. Donc, il y a quand même une énorme évolution. Et ça ne fait, c'est comme Olivier l'expliquait tout à l'heure, c'est aussi une courbe exponentielle et ça n'arrête pas d'augmenter. En fait, de mois en mois, les chiffres augmentent. Ok. Et on voit ici aussi, malgré tout, même si la statistique est sur un court échantillon, mais qu'on a quand même déjà pas mal de personnes qui suivent des podcasts. Donc ça rejoint un peu ce que tu nous racontes. J'imagine que tu as des chiffres un petit peu plus précis. Alors oui, au mois de décembre 2021, il y avait 15 millions d'auditeurs, donc 15 millions de personnes qui écoutent régulièrement des podcasts. Ça représente quand même 20% en plus que par rapport à novembre 2021. Donc il y a de nouveau ces chiffres qui explosent. En mars 2022, un peu plus près de nous, les podcasts en français ont été écoutés ou téléchargés dans le monde, donc pas juste en France ou en Belgique, dans le monde, plus de 202 millions de fois. Ça représente 27 millions de plus qu'en février 2022. Alors, la plupart des auditeurs hebdomadaires, donc 80% des auditeurs, déclarent que le podcast fait vraiment partie intégrante de leur quotidien, qu'ils l'écoutent tous les jours. Par exemple, en 2020, on était à 74%. Donc, on est de nouveau vraiment sur une explosion de l'outil. Le Covid aussi, donc le confinement, a permis aussi cette explosion d'utilisation et de création de podcasts. En fait, c'était quasiment le seul moyen de pouvoir se divertir, aller chercher de l'information autrement que les informations tristes des journaux télévisés, des chiffres de morts et compagnie. Et alors aussi, beaucoup de parents font écouter des podcasts à leurs enfants. C'est bien souvent des histoires. Plutôt que de les mettre devant la télé ou devant un écran, eh bien, hop, un petit casque sur les oreilles et on écoute une petite histoire. Ah, la boîte à histoire. Peut-être aussi donc avoir des infos vraiment sur le public cible. Et là, je pense que Sophie, on pourrait peut-être aussi demander à nos auditeurs s'ils ont une idée de la moyenne d'âge qui représente en tout cas la moyenne des auditeurs qui écoutent des podcasts. À votre avis, quelle est cette moyenne d'âge des auditeurs? Vous pouvez indiquer ça dans la conversation. Alors, on a 25 ans, 40 ans, 35 ans. 35, 35. 35 ans, en tout cas, semble être une bonne. Alors, après, on a 53. Transforme 35 en 53. 30 ans. 38. 35, 30. On reste en tout cas pas mal dans une trentaine d'années, Sophie. Oui. Et en fait, donc la majorité, maintenant ce sont des chiffres, hein, la majorité des auditeurs seraient âgés de 15 à 34 ans. Alors, ce sont les chiffres derniers. Si ça tombe dans un an, on se retrouve et on nous dit que la majorité est âgée de 35 à 50. Mais là, pour l'instant, c'est donc de 15 à 34 ans. C'est plutôt, en général, un homme qui vit en ville et qui a un niveau, professionnel,
plutôt associé à des cadres. Ce sont plutôt des cadres masculins de 15 à 34 ans. Ça, c'est vraiment la majorité des auditeurs de podcasts. Ok, Sophie, ici, si je ne me trompe, on est sur des chiffres plutôt français. Oui, c'est très difficile de trouver des chiffres belges. Je ne sais pas s'il y a vraiment eu une étude qui a été faite là-dessus. Et donc, maintenant, je pense qu'il ne doit pas y avoir de grosses, grosses différences entre l'utilisation des Français par rapport à l'utilisation des utilisateurs belges. Alors, tu sembles dire en tout cas qu'on peut trouver finalement des podcasts dans plein de sujets différents. Est-ce que tu peux nous dire justement quels sont les sujets les plus plébiscités? Alors, les sujets les plus écoutés sont ceux qui parlent de culture, d'humour et ensuite de société. Et alors, juste derrière viennent aussi les sujets sur le bien-être et la psychologie qui sont fort demandés, fort écoutés. Ok, super. Je pense que tu peux aussi nous donner finalement mais quelles utilisations les Belges font de ces podcasts. Hein, pourquoi est-ce qu'ils écoutent des podcasts? Oui, en fait, donc la première chose que les Belges, ici c'est vraiment une étude qui a été faite en Belgique, donc là je peux affirmer que c'est des Belges. La première chose qu'ils cherchent à faire, c'est à se cultiver. Donc c'est pour 44% des personnes. Ensuite, ils cherchent à se déconnecter. Donc, oublier un petit peu ce qui se passe autour, ou alors à combler du temps perdu. Là, c'est pour 32 ou 38% se déconnecter, 32% pour combler du temps perdu. Ok, merci Sophie. Alors là, tu nous as expliqué un peu les sujets les plus plébiscités, tu nous as parlé un peu, donc, oui, la tranche d'âge des auditeurs, mais finalement, est-ce que tu peux nous parler des critères qui font que les auditeurs choisissent un podcast en particulier? Quels sont les critères vraiment importants? Alors, en plus du sujet et de l'histoire, ben, certains critères influencent évidemment le choix du podcast et le plaisir qu'on va avoir à l'écouter. Et tout d'abord, c'est la qualité du son. C'est pas facile et c'est pas agréable non plus de se concentrer sur un sujet si on doit d'abord essayer de comprendre ce que la personne a enregistré, de comprendre ce qui est dit. Ensuite, il y a la voix du lecteur et sa façon de s'exprimer. En tout cas, pour moi, il n'y a rien de plus désagréable que d'entendre des « e » à tout bout de champ, à la fin de chaque phrase. Ça m'énerve, je coupe, je change. Par contre, certains apprécient des accents très, très marqués, comme un accent marseillais, un accent québécois, et d'autres ne vont pas du tout apprécier. Et donc, ça, c'est vraiment au feeling et comme on a. Et puis, il y a aussi le style, la façon dont c'est enregistré. Est-ce que c'est quelque chose de très sérieux ou absolument décalé, de formel, d'informel? Est-ce que c'est comique? Est-ce qu'on a ou pas? Ou est-ce qu'il y a vraiment une trame tragique derrière? Et alors, j'ai entendu un podcast sur Arte, où là, c'est un mélange d'interviews de personnes totalement différentes. C'est fait en streetcast, donc in situ. Il intègre aussi des extraits de films Scream, notamment, dedans. Alors, il y a un moment, c'est vraiment très, très dérangeant parce qu'on a l'impression qu'on va assister à un meurtre en direct. Et puis, juste après, ça part sur un truc totalement loup-dingue qui est beaucoup plus comique. Et donc, je ne pensais pas du tout que j'allais pouvoir apprécier ce genre de choses. Et puis, on est pris dans le jeu et la réflexion se fait quand même aussi par après et c'était pas mal du tout. Ok, donc il y en a pour tous les goûts, si je t'écoute. Pour tous les goûts. Merci Sophie. Alors ici, on clôture donc cette première partie mais qui situe finalement l'outil podcast. Hein, tu nous l'as un peu détaillé. Voilà, on en a vu déjà un peu quels étaient les critères, le public plutôt cible, les utilisations. Je te propose maintenant, Sophie, qu'on entre dans la deuxième partie parce que c'est finalement bien pourquoi utiliser le podcast, l'outil podcast dans l'insertion professionnelle ou dans la formation professionnelle. Et donc ici, c'est ce qui va un peu nous intéresser pour cette deuxième partie. Et donc, ben, la première question que j'ai envie de te poser, je viens déjà de la dire, mais c'est pourquoi le podcast? Alors, le podcast, ben, il va permettre de diffuser des savoirs d'une manière totalement différente. Donc, c'est une manière auditive, donc qui est susceptible de mieux convenir à certains profils d'étudiants, ben, notamment ceux qui disposent d'une meilleure mémoire auditive que visuelle. Ça, c'est sûr et certain. Et donc, on va rencontrer des besoins, mais aussi des styles d'apprentissage différents. Et on sait que plus on va varier les styles d'apprentissage, plus on va toucher
d'apprenants et des sensibilités différentes. Donc c'est un outil comme un autre, avec des inconvénients, pas nombreux, et des avantages qui sont quand même assez importants. Ok. Merci Sophie. Et justement, tu parles d'avantages. Est-ce que tu peux justement nous expliquer quels sont les avantages de l'outil podcast? Oui, alors le podcast, l'objet en lui-même, déjà sans parler de pédagogie, a de nombreux avantages. D'abord, il y a la portabilité. Il suffit d'un smartphone et donc on l'a toujours avec soi, il n'y a pas besoin d'achat nouveau, il est dans notre poche, dans notre sac, on le transporte avec nous tout le temps. Ça a aussi un aspect d'autonomie en fait. On n'a besoin de personne pour avoir des explications supplémentaires. On se branche, on écoute les épisodes dans l'ordre qu'on souhaite, à son rythme. Puis il y a le côté aussi flexibilité. Alors le podcast, ça s'écoute aussi bien sur un ordinateur, sur un smartphone, sur une tablette, chez soi, ailleurs, au matin, à midi, au soir, la nuit. C'est vraiment quand on en a envie. Il y a la réutilisation aussi. C'est quand on veut. On peut réécouter le même enregistrement autant de fois que l'on veut. C'est pas parce qu'on l'a entendu une fois qu'on peut plus le réécouter. Donc la liberté qu'octroient ces podcasts, à savoir le choix du lieu, du moment et des modalités d'écoute, ça leur confère quand même un gros avantage. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que tous les domaines sont représentés. Des histoires pour enfants, des recettes de cuisine, des podcasts sur le cyclisme, sur la permaculture, sur le lâcher prise, en fait sur tous les sujets possibles et inimaginables. Merci pour ces avantages du podcast. Alors, on va aller un petit cran plus loin puisque je vais proposer maintenant, Sophie, qu'on rentre vraiment dans les podcasts pour l'insertion professionnelle ou la formation. Et c'est de voir justement avec nos auditeurs eh bien, quels sont les avantages du podcast pédagogique. Alors, pour ce faire, on va vous proposer de nous rejoindre sur WooClap. Céline vient de vous mettre le lien dans la conversation. Je vais également donc vous mettre à l'écran. Vous allez avoir donc un QR code si vous souhaitez nous rejoindre via le QR code. Le lien est à nouveau repris, mais vous pouvez juste cliquer dans la conversation sur le lien que Céline a mis. Je vois en tout cas que vous commencez à nous rejoindre. On va attendre un tout petit peu. On a déjà donc une petite dizaine de personnes. Alors, je vais vous proposer donc la question qui est « Quels sont les avantages du podcast pédagogique ?» Alors, on est sur un nuage de mots. Donc vous pouvez répondre plusieurs fois, mais idéalement un seul mot par réponse. Je vous laisse donc répondre à ce nuage de mots. Réponse commence déjà tout doucement à arriver, Sophie. Flexibilité, liberté, ludique. Ça bouge pas mal. Réécoute. Rythme. Poursuite des apprentissages. Je vois également dans la conversation de la réunion écologique qui s'est ajoutée. Gain de temps. Écoute, diversité, accessibilité, focus. Respect du rythme personnel, oui, tu en as parlé, oui. Rythme, possibilité, forme d'apprentissage, introduction. Complément à la formation. Écologie. Partout, accessibilité. Alors, je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais j'aime bien le mot autonomie. Ah oui. J'aime beaucoup. En parlant de mots comme ça composés, on appelle ça podcast chez nous, mais au Québec, ils appellent ça des balados. Ah oui. Je trouve ça aussi très très sympa et ça veut vraiment dire ce que ça raconte. Oui, c'est vrai, balado, c'est pas mal.
Je vois aussi dans la conversation quelqu'un qui réagit aussi par rapport à autonomie. Ça a l'air en tout cas de se stabiliser au niveau du nuage de mots. Je te propose de commencer à débriefer, Sophie. Oui, bien, le mot qui ressort le plus, ben, c'est flexibilité. Évidemment, c'est un des points forts du podcast. Alors, la flexibilité dans la formation ou dans l'accompagnement, c'est une des. C'est ce qu'on nous demande le plus en fait en tant que formateur, c'est d'être flexible et donc de s'adapter à tous les apprenants qu'on aura en face de nous. Alors ben voilà, ça permet de toucher différents types d'apprentissage. Ça permet aussi pour la notion de flexibilité, eh bien de si un apprenant a des difficultés, est plus lent, qu'il a besoin de plus d'explications, eh bien c'est aussi un outil sur lequel il va pouvoir se poser pour retourner, réécouter, avoir des explications supplémentaires. Et tout ça, en plus, ben, il ne devra pas le dire devant tout le groupe, devant les autres apprenants, s'il n'a pas compris, s'il a besoin de plus de temps pour comprendre certaines matières. L'autonomie, évidemment, même chose. Des apprenants absents, je pense que c'est assez courant. Mais voilà, ils vont pouvoir, de façon autonome, reprendre ce qu'ils n'ont pas su suivre et en rentrant chez eux, ou bien même s'ils sont malades, à un certain moment, avoir un petit sursaut d'énergie et mettre le podcast en route pour suivre le cours. Alors, j'avais vu aussi possibilité de réécoute. Évidemment, la répétition, la révision, ben, on sait bien qu'un des moyens les plus efficaces pour retenir, pour ancrer un savoir en mémoire à long terme, ben, c'est la répétition. Donc, un sujet important, une synthèse, ben, faites un podcast et hop, on met dans les oreilles et on écoute. C'est comme une chanson. Plus on l'écoute, plus on la connaît par cœur. Donc, voilà. Ça, c'est un outil très facile, en fait, et vous ne serez pas derrière pour répéter toujours la même chose. Ce sera le podcast qui le fera pour vous. Qu'est-ce que j'avais vu aussi? Introduction, voilà. En préparation d'un nouveau cours, ben, si vous annoncez déjà la couleur, le sujet par un petit teaser, ben, les apprenants seront déjà plus curieux de voir ce que vous leur avez préparé et vous ne devrez plus passer ce temps dans votre cours à faire l'amorce, en fait. Et donc, ben, c'est aussi un gain de temps. Voilà, même chose. Le gain de temps, vous allez pouvoir aussi l'avoir après un cours, un post-cours, si vous faites ça sous forme de synthèse, de notions clés ou pour donner des explications supplémentaires. Donc voilà, complément à la formation, même chose. La découverte aussi de nouveaux sujets avec le système de classe inversée. On peut donner une liste de podcasts à écouter et là, vous mettez donc vos apprenants en situation autonome pour l'apprentissage. Et puis donc, le temps en présentiel, ben, il sera axé sur la compréhension, la synthèse ou les exercices. Et donc, c'est vraiment aussi un gain de temps. Qu'est-ce que je peux voir encore? Accessibilité, ben oui, comme on l'a dit, il suffit d'un smartphone. Je connais pas beaucoup d'apprenants qui n'en ont pas. Donc, le respect du rythme personnel, évidemment, puisque ben, chacun à son rythme va pouvoir écouter. S'il n'arrive pas à écouter les 15 minutes du podcast, ben, il fera 10 minutes et puis 5 minutes ou 5 minutes et puis 10 ou il le fera en 3 fois parce qu'il a du mal à rester concentré. Ça peut être du renforcement, c'est diversifié, voilà, il y en a partout. C'est la diversité aussi de l'objet, de l'outil, mais la diversité des sujets, la disponibilité, là, on l'a partout. Sur quoi je n'ai pas encore... voilà, le focus, ben oui, on peut faire le focus sur un sujet particulier. On peut dire, ben voilà, si vous voulez vraiment approfondir tel ou tel sujet, je vous conseille tel et tel podcast qui sont vraiment bien faits et on va pouvoir en apprendre plus. Je pense. Et alors, j'aimerais bien quand même autonomie. J'aime bien, je suppose que c'est un mélange d'autonomie et d'ouïe. Voilà. Et voilà, je trouve que ça, j'aime bien.
Il y a aussi la possibilité qui n'a pas été proposée ici, c'est tout simplement de raconter une histoire parfois ça, sur un sujet historique ou des trucs comme ça. Le Louvre fait de très chouettes histoires de podcasts sur certaines œuvres en fait. Et donc ils racontent l'histoire qui se cache derrière l'œuvre. Ça marche aussi très bien. Et alors, un autre objectif qu'on peut mettre en place avec un podcast, c'est de faire réaliser les podcasts par les apprenants. Donc, plutôt que de leur faire réaliser un portfolio, une vidéo, une présentation, ça peut être aussi sous forme de podcast. Ok. Merci Sophie. Donc là, on vient de voir plutôt les avantages du podcast en formation. Et merci à vous, en tout cas, pour tous ces chouettes éléments que vous nous avez envoyés. Je pense aussi quand même intéressant qu'on parle des avantages du podcast, Sophie, mais plutôt dans l'insertion socio-professionnelle pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui ne sont pas dans la formation. Et je sais que tu en avais listé aussi quelques-uns. Oui. En fait, dans l'accompagnement, on peut rapidement communiquer de l'info. Quelle qu'elle soit, une petite information sur pour faire un CV, il faut tac, 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 et c'est communiqué. On peut documenter soit un projet ou on peut documenter aussi des personnes qui sont en recherche d'emploi sur les réalités de tel ou tel métier par des interviews, par des recherches. On peut partager aussi ses pratiques professionnelles. On peut diffuser des trucs et astuces pour rédiger un CV, pour préparer un entretien. On peut individualiser des parcours en orientation, mais aussi des parcours d'apprentissage. En séquençant chaque podcast, on peut dire à telle personne, écoutez, moi je vous verrai bien avec le podcast numéro 23, 27 et 34, et un autre ce sera le 12, le 13 et le 17 par exemple. Est-ce que ce sont les numéros du loto ? Pour moi ça peut-être. Merci Sophie. Alors ici, on clôture déjà la deuxième partie. Donc, on vient de voir quels sont vraiment les avantages de l'utiliser dans vos contextes professionnels. Et donc, on en arrive à cette dernière partie qui est la plus, j'ai envie de dire, pratico-pratique, puisque Sophie, tu vas nous donner des conseils pour créer ou réutiliser un podcast. Je pense d'ailleurs que si on reste sur l'insertion professionnelle, tu as d'ailleurs des podcasts à nous recommander qui peuvent être en tout cas intéressants de partager ou d'écouter dans ces pratiques. Oui, alors le premier que on vous propose, donc c'est Trouveur d'emploi. Et là, en fait, ce sont des podcasts sur des thèmes très très variés, mais génériques, qui concernent tout ce qui est la recherche d'emploi. Alors, vous pouvez voir ici quels sont les droits des candidats, quels sont les soft skills, donc les SFC à développer, etc. Ça balaye vraiment très très fort et c'est pas mal fait, c'est maximum une demi-heure, donc c'est tout à fait gérable et écoutable. C'est ça, c'était de 10 à 30 minutes quand on a regardé, donc ça reste gérable. Alors, pas de tracas concernant les liens, hein, vous retrouverez tous les liens dans la présentation qu'on vous enverra par après pour tous ces podcasts de toute façon. Donc là, en tout cas, tu parles de Trouveur d'emploi. Je pense que Pôle emploi aussi en a plusieurs que tu vas nous expliquer avec des styles assez différents, mais toujours dans le contexte de l'insertion professionnelle. Oui. Donc, Pôle emploi propose 4 types de podcasts. Alors, le premier qu'on vous montre ici, ça s'appelle Une minute pour l'emploi. Donc, ce sont des informations pratico-pratiques en une minute pour aider à la recherche d'emploi. Donc, c'est vraiment très court et très, très séquencé, en fait. Hein. On va retrouver différents sujets et différentes informations pratiques pour aider à la recherche d'emploi. Donc, le premier, une minute pour l'emploi. Oui, le deuxième. Le deuxième, c'est un podcast plutôt, ça vous parle en fait. Donc, c'est plutôt se mettre dans la peau de certains professionnels. Donc là, vous avez qui est proposé à l'écran, l'hôtellerie, la restauration, le bâtiment, l'agriculture, le transport. Et donc, c'est se mettre dans la peau d'eux grâce à des interviews de professionnels du secteur. Donc, le deuxième plutôt sur les secteurs. Le troisième. Le troisième, de nouveau, ce sont sur des thématiques
très diverses et variées, un peu comme le premier qu'on vous a montré, mais de nouveau ici par Pôle emploi. On voit les métiers du futur, la question du handicap dans l'emploi. Oui. Et enfin, le petit dernier. Le petit dernier, donc ça s'appelle À 180 degrés. Et donc là, ce sont des témoignages de personnes qui ont effectué des reconversions professionnelles, parfois totalement à l'opposé de ce qu'elles étaient en train de faire, donc à 180 degrés. Et c'est des petits épisodes aussi. Par contre, je ne connais pas la durée. Je sais pas. C'était relativement court aussi, mais je ne sais pas la durée. Alors là, on était plutôt sur des podcasts pour l'insertion professionnelle, mais je pense que tu as aussi des endroits à nous conseiller pour trouver des podcasts plutôt pédagogiques. Oui, oui, oui. Alors, des podcasts pédagogiques, ben, il y en a deux qui sont assez bien faits parce que il y en a énormément déjà. C'est un qui est fait par le réseau Canopée français. Et ça s'appelle Extra Classe. Et là, c'est vraiment pédagogique. Donc, on va retrouver des sujets tels que l'évaluation, la motivation, des trucs comme ça. Le Ludomag, qui fait aussi ses podcasts. Alors là, ce sera plus axé, évidemment, sur la ludopédagogie, comment l'insérer dans ses formations. Alors, je vous ai mis deux références sur des podcasts plutôt de société, Arte Radio, et les podcasts du journal Le Soir, qui sont aussi très bien faits. Et il y a plusieurs niveaux, en fait. Il y a plusieurs styles, plusieurs sous-catégories, mais tous sont assez sympas, assez bien faits. Et alors, le dernier que je vous propose, en fait, c'est parce que ce sont des balados, donc là, vous voyez, balados technologiques, qui ont été réalisés par des apprenants, en fait, par des élèves de secondaire, dans ce cas-ci, à Montréal. Voilà, donc c'est pour avoir, éventuellement, si vous ne connaissiez pas, ben, ça ouvre le champ. Donc ça montre un peu l'exemple que tu expliquais avec les apprenants qui font le podcast. Ok, voilà. Super. Alors, si vous avez vous aussi des podcasts à recommander, n'hésitez pas à les mentionner dans la conversation, puisqu'évidemment, ça pourra aussi permettre de profiter à d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas si vous en avez à nous recommander. Alors, Sophie, donc là, on vient de voir finalement bien, les podcasts qu'on peut aller écouter ou réutiliser. Et donc, maintenant, bien, on a plutôt l'idée de la création. Et donc, ben, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour se lancer? Alors, donc le podcast, c'est un outil. Et comme tout outil pédagogique, quel qu'il soit, ben, il faut d'abord commencer par fixer ses objectifs et se poser les bonnes questions. Alors, les bonnes questions, c'est ben, quel est le but de ce podcast? Pourquoi est-ce que j'ai choisi de mettre un podcast en place? Est-ce que je cherche à informer, analyser, approfondir, motiver, inciter à la réflexion? Combien d'épisodes vont être nécessaires? Quelle sera la durée? Et ensuite, il y a aussi la question du scénario. Qu'est-ce que je mets en place? Est-ce que je souhaite parler tout le temps imparti? Ou bien est-ce que je veux inclure des extraits sonores, par exemple des audios d'archives aussi, ça peut être intéressant. Est-ce que je souhaite employer un ton formel, informel. Donc voilà, ça c'est toute une série de questions auxquelles il faut répondre avant de se lancer. Ok, alors toute la liste de ces questions, je vous rassure, elle sera dans la présentation que vous allez recevoir par après. Donc là, en tout cas, Sophie, on fixe ses objectifs, on se pose toutes ces questions que tu viens de nous dire, et puis. Alors, et puis, ah bien justement, après avoir répondu à ces différentes questions, il faut rédiger ce qu'on peut appeler un storyboard, c'est-à-dire un déroulé de l'épisode. Le podcast étant un format court, il vaut mieux préparer le discours en amont. Cela évitera les hésitations, les fameux et votre audience ne sera que plus captivée par vos propos. Alors, vous pouvez écrire soit les points importants, les différentes étapes, ou préparer même cela sous forme de petites listes à puces. Ou alors, vous pouvez préparer un texte complet. Alors, il n'y a pas de recette miracle, et c'est chacun fait comme il le sent, comme il le veut.
tout en sachant que même certains journalistes, dont c'est le métier, et certains chroniqueurs, préparent leur intervention jusqu'à la virgule près. Donc, il n'y a pas de honte à préparer un texte complet et à s'exercer à le lire. Voilà. Donc, si on récapitule l'ordre du travail, 1, il faut concevoir la séquence pédagogique qui comprend un podcast. 2, on va établir le plan de l'épisode ou des épisodes. 3, on va inventorier, donc le sujet, les intervenants éventuels, le script, le son, etc. Et puis on écrit son storyboard. On commence par une introduction, par exemple entre 1 et 5 minutes de contexte général. Puis on entre dans le vif du sujet, on développe. Et puis on termine par une conclusion et ou des éléments clés. Et éventuellement un petit teasing, un petit teaser pour l'épisode suivant. Pardon. Donc une bonne préparation est importante d'après ce que j'entends, Sophie. Et après, j'ai envie de te dire, il n'y a plus qu'à. En effet, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à enregistrer. Alors, quelques petits conseils pour enregistrer. Mais il faut d'abord faire un test pour vérifier le niveau sonore en écoutant son enregistrement. Il faut s'entraîner à lire son texte pour que la voix soit fluide, posée, naturelle. Que le débit ne soit ni trop lent, ni trop rapide. Et alors, il faut sectionner le texte et mettre en pause votre enregistrement entre chaque partie. Ça permet, si vous le souhaitez par après, de faire ce qu'on appelle un habillage, une post-production. Donc, insérer un générique, un jingle, du bruitage, et tout ça, ben, ça permet de donner sa petite marque de fabrique, de marquer les pauses aussi, ça agrémente, ça met en situation. Alors, si vous utilisez des musiques, faites attention à bien utiliser des musiques libres de droit. Et je pense que Céline peut nous mettre dans le chat un petit lien vers des sites de téléchargement gratuit de musique. Et alors, quand l'enregistrement est prêt, à partir de ce moment-là, on peut l'exporter. Alors, on peut l'exporter de deux façons différentes, soit une diffusion publique, soit une diffusion privée. Alors, la diffusion publique, ça va passer par le fameux flux RSS et on va alors se diriger vers des plateformes telles que Deezer, Spotify ou Apple. C'est gratuit, donc il n'y a pas de souci. Et alors, si vous préférez une diffusion privée, là, il suffit simplement de l'envoyer soit par mail, par SMS, ou directement sur une plateforme d'apprentissage telle que Moodle ou autre. Je confirme, Sophie, que Céline vient de nous mettre le lien vers les musiques libres de droit. Alors, tout à l'heure, tu as parlé que la durée d'un podcast était de 5 minutes à 1h30, mais j'imagine qu'en termes d'attention, il y a une durée plus approprié. Oui, tout à fait. On sait bien qu'après 20 minutes d'inactivité, on décroche. La plupart des gens ne savent plus être attentifs. Donc, le bon timing se situe dans une fourchette de 7 à grand maximum 35 minutes. Et donc, si vous avez des enregistrements qui durent plus de 45 minutes, il faut absolument. Je vous conseille de les décomposer en 3 épisodes de 15 minutes, par exemple. Et donc, il faut avoir ça en tête aussi quand on crée son petit storyboard, de ne pas vouloir trop mettre tout en une fois. Il vaut mieux avoir plusieurs épisodes qu'un seul trop fourni. Et alors, en ce qui concerne la fréquence, c'est à vous de voir aussi en fonction de la quantité que vous avez à transmettre et en fonction de votre disponibilité de votre, et aussi du retour des apprenants face à ça, en fait. Ok, donc durée idéale entre 7 et 35 minutes. Oui. Alors, un point qui me semble essentiel dont on n'a pas encore parlé, Sophie, c'est le matériel. Est-ce qu'on doit investir dans du matériel de qualité pour faire des podcasts? Alors, pour faire des podcasts, il n'y a pas besoin de matériel compliqué. Avec un simple smartphone et un casque qui est même bien souvent fourni avec le smartphone, ça peut suffire. Le seul truc auquel il faut faire attention, c'est que la qualité du son est primordiale. Bien plus que quand on réalise des capsules vidéo, puisqu'ici, le seul
sens qui va être sollicité, c'est l'ouïe. Donc, le seul outil vraiment nécessaire, c'est que le son soit d'une bonne qualité. Mais on n'a pas besoin, pour avoir de la bonne qualité, d'avoir un micro hyper sophistiqué, loin de là. Maintenant, si vous voulez aller faire des interviews en rue ou des trucs comme ça, c'est évidemment plus facile d'avoir un micro. Mais si vous enregistrez seul, ben, une paire d'écouteurs avec un petit micro intégré peut faire l'affaire. Il suffit d'abord de tester, évidemment, pour voir si le rendu est assez correct. Alors après, si vous avez la possibilité d'enregistrer avec un vrai micro dans un studio ou même avec un micro, ben, ce qui est intéressant d'ajouter à ce micro, c'est ce qu'on appelle un filtre pop-up qui permet de ne pas entendre les P exploser quand on parle. Voilà. Alors après, ben, ça c'est l'enregistrement. Après, il y a tout ce qui est montage et post-production. Alors, vous pouvez laisser votre enregistrement brut comme il est là. Mais si vous voulez agrémenter d'un générique de début, de fin, d'un bruitage, d'un jingle, il y a quelques logiciels qui sont gratuits. Alors, il y a notamment ben, sur Mac, il y a le logiciel GarageBand. Et pour les autres, il y a aussi Audacity et encore. Alors, la différence entre les deux, c'est que Audacity, il va falloir s'inscrire. Et encore, il est libre, c'est créé par Spotify. Alors, les trois sont gratuits. Ils sont assez faciles d'utilisation. Ils sont faciles, enfin, assez faciles à prendre en main. Parfois, en chipotant peut-être un petit peu au début, mais ce n'est pas très, très compliqué. Voilà. Alors, il existe d'autres logiciels, mais ceux-là, ils sont pour certains en partie payants, en partie ou totalement payants. Et les trois que je viens de vous citer sont vraiment suffisants pour un podcast de qualité. Ah oui. Donc, en fait, on n'a pas besoin de compétences vraiment avancées en radio pour produire un podcast de bonne qualité. Merci Sophie. Alors là, en tout cas, tu viens donc de nous délivrer pas mal d'infos en termes de création de podcast. Est-ce que tu as encore quelques conseils à nous donner aujourd'hui? Ben en fait, quand vous commencez à enregistrer, attendez quelques secondes de vide avant de commencer à parler. N'hésitez pas à faire des pauses. Ça permettra, si vous faites du montage, de couper facilement et de ne pas avoir l'impression de couper la fin du mot. Il faut aussi introduire le sujet. Par exemple, dans cet épisode, nous allons vous parler d'eux, nous allons discuter, nous allons vous présenter, etc. Il faut conclure aussi, donc un petit mot de la fin, la promotion de l'épisode suivant, si c'est approprié. Alors, on vous dit d'éviter de lire le script mot à mot, mais avoir sa feuille de papier sous les yeux, c'est parfois rassurant. Dans la mesure du possible, faire intervenir d'autres personnes, ça met une autre dynamique aussi, ça permet que ce soit moins monocorde. Alors pour enregistrer, ben, si vous ne voulez pas le faire dans in situ ou en streetcast, il faut vous installer dans un endroit tranquille et être sûr qu'on ne va pas venir vous déranger toutes les 3 secondes en frappant à la porte du bureau ou bien à la maison, maman, j'ai faim, enfin voilà. Donc vraiment avoir un endroit où vous savez que pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, vous allez pouvoir être seul et tranquille. Alors il y a deux applications dont je peux vous parler, mais vraiment en deux mots. C'est l'appli Tumult, qui permet de faire échanger les élèves en direct autour d'un épisode. Donc, on leur donne le lien de l'épisode podcast et ils peuvent échanger, faire des commentaires, ajouter des informations éventuellement. Et alors, il y a une plateforme qui s'appelle EasyLabus, où là, les élèves peuvent créer leur propre capsule sonore. Et alors, mon dernier petit point, c'est que, rassurez-vous, personne n'a
entendre sa voix. Donc, c'est vraiment une question d'habitude. Et c'est tout à fait normal si vous trouvez que ça ne c'est pas beau, ça ne va pas. Merci beaucoup Sophie donc pour cette dernière partie. Voilà, je pense que grâce à toi, en tout cas, ce sujet du podcast est devenu beaucoup plus familier et plus aussi réalisable en tout cas. Alors nous sommes ici donc à la fin de ces trois parties sur le podcast et donc je vais me tourner vers Céline pour voir donc si elle a déjà pu récupérer quelques questions. Mais donc n'hésitez pas maintenant si vous avez d'autres questions à nous les envoyer dans la conversation de la réunion puisque donc c'est le moment que nous avons pour répondre à vos questions. On ne m'entendait pas, je pense que là ce sera mieux. Oui. Donc, je disais qu'il y a eu l'une ou l'autre question auxquelles vous avez répondu, mais donc c'est le moment, c'est l'instant. Allez-y, je vois des claviers qui s'activent, vous pouvez les formuler et on va juste revenir sur les deux questions auxquelles on a répondu. Le webinaire, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, est bien enregistré, donc vous aurez accès au replay par la suite. Et alors, par rapport aux chiffres annoncés par Sophie, 15 millions d'auditeurs en décembre 2021. Sophie, c'est bien pour le public français et pas le monde entier. C'était sur les nombre millions d'auditeurs, oui. Et donc tu nous as dit par la suite que c'était pour oui, les Français. Ce sont des chiffres français, voilà. Et ici, Muriel nous demande quel outil utiliser pour le montage. Alors, les outils pour le montage, eh bien, il suffit d'avoir ou une tablette ou un ordinateur et d'utiliser les deux logiciels dont je vous ai parlé, donc Encore ou Audacity, qui permettent un montage très facile et c'est tout. Et même que, je pense que même avec Encore, il y a même moyen de faire le montage directement sur smartphone. Voilà, des petites précisions apportées par Sophie pour les outils de montage. Et puis, Odile réagit en revenant sur le profil des grands auditeurs, enfin le profil majoritaire des auditeurs de podcast qui étaient des hommes citadins et avec un niveau social élevé. Et dès lors, donc, comment toucher un public plus vulnérable? Est-ce qu'on a des éléments de réponse, Sophie, à communiquer à nos participants ici? Alors, en fait, c'est jamais que des études, c'est une étude qui a été faite et c'est fait après avec des statistiques. Donc, la majorité, mais ce n'est pas pour ça que les personnes qui ne sont ni urbaines ni avec un niveau social élevé ne les écoutent pas, loin de là. Donc, c'est vraiment le plus gros des personnes qui est là. Maintenant, je pense que c'est aussi une étude qui a été menée il y a un an et que ça évolue très fort, très fort, très fort. Et rien n'empêche, même si les personnes qui ne sont pas habituées, ben justement, leur proposer ça d'une façon un peu plus autonome ou décalée ou leur montrer que ça existe, ça fait partie aussi peut-être du rôle de formateur, c'est de montrer que on ouvre le champ des possibles et qu'on ne se cantonne pas à un PowerPoint ou à une feuille, à un site Labus ou à un petit webinaire. Et moi, je rebondirai, Sophie, sur ce dont tu nous as parlé. Tu nous as présenté quelques podcasts de Pôle emploi. Oui. Et donc, j'imagine qu'on peut s'inspirer de leurs pratiques pour viser un public parfois plus vulnérable également. Et donc, je vais m'empresser d'aller fouiller ce que tu nous as renseigné. Et peut-être que ça peut être une piste, Odile, notamment, j'imagine. Et si dans les personnes présentes, il y a d'autres idées pour répondre à cette question, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire également. Olivier nous sollicite aussi par rapport à l'utilisation toute, j'allais dire toute bête, hein, mais de WhatsApp où on peut s'enregistrer. Ce serait une solution très low-tech avec les moyens du bord. Sophie, qu'en penses-tu? Je
pense que l'inconvénient de faire ça via WhatsApp, c'est que ce n'est pas enregistré. Après un certain temps, tu n'as plus accès à cet enregistrement. Donc, il faut voir. Et puis, donc, j'imagine ici que la proposition d'Olivier, c'était c'était pour l'enregistrement et puis après pour la diffusion, comme tu nous l'as dit, à voir si c'est diffusé en mode privé, donc hébergé sur une plateforme comme Moodle ou envoyé par mail. Donc, à ce moment-là, ça signifierait, Sophie, qu'il faudrait télécharger l'enregistrement WhatsApp. Oui. Oui, et puis, oui. Parce que c'est un autre, c'est pas le même système d'enregistrement. Donc, je sais bien que chez WhatsApp, tout est codé et je pense qu'il n'y a pas de sauvegarde. Donc, à un certain moment, ça disparaît. Alors, après combien de temps, ça, je ne saurais pas répondre. Mais... Ok, donc voilà un élément de réponse. Et Odile nous revient avec une question sur la visibilité du podcast. Donc, on veut toucher le plus de gens possible, pas uniquement les utilisateurs qui connaissent déjà le service, notamment ici un service d'aide à la jeunesse. Comment faire pour diffuser des informations au plus grand nombre? Est-ce que passer par Deezer ou Spotify est un bon exemple, une bonne piste? Alors, Deezer et Spotify, bien, évidemment, sont accessibles par tous et connus, je pense, de tous. Donc, oui, c'est une bonne idée. Alors, c'est totalement gratuit, donc, en tout cas pour l'instant. Donc, je ne vois pas quel serait le frein. Maintenant, si... voilà, il y a d'autres applis podcast aussi qui existent. Mais les deux plus connus, c'est évidemment ces deux-là, oui. Donc, je pense qu'alors, si vous voulez vraiment toucher un grand nombre de personnes, et il faut avoir derrière aussi un logo ou un visuel quand on va chercher sur Spotify, parce que ben, là, il y a quand même aussi l'aspect visuel qui joue quand on cherche aide à la jeunesse. On va certainement trouver plein de podcasts. Et donc, avoir un nom qui accroche et un visuel qui accroche pour que les gens écoutent plutôt le vôtre qu'un autre. Maintenant, vous pouvez donner aussi les liens vers vos podcasts. Il y a moyen aussi donc, de donner aux personnes que vous voulez toucher les liens vers les podcasts que vous avez enregistrés et partagés sur Deezer ou Spotify. Donc, utiliser plusieurs canaux pour diffuser un maximum. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et alors, je pense que d'autres questions risquent d'arriver. En tout cas, il y a un merci qui apparaît dans le chat. Avec plaisir. Et donc, si parmi vous, certains ont une question qu'ils n'ont pas pu poser, un commentaire, une réaction, ben on vous invite à le faire via le chat. Et si ce n'est pas sur le moment même, mais là je céderai la parole à Chloé pour vous donner la suite des informations pour ceux qui voudraient poursuivre ces échanges ou en tout cas revenir sur la question du podcast. Merci Céline. Alors ben en effet, donc ici en tout cas Sophie nous a donné pas mal de conseils pour pouvoir se lancer seule. Mais si vous souhaitez aller plus loin et que voilà, vous avez envie en tout cas d'avoir un coup de pouce supplémentaire, eh bien il y a une nouveauté chez Formaform, c'est la formation podcast, les formations en balade justement. Un petit clin d'œil au Canada à mon avis du coup. Et la bonne nouvelle, donc, c'est que la formation donc, aura lieu les 19 et 22 août ici, donc chez Formaform, organisée dans le cadre des estivales. Alors les estivales, si vous ne connaissez pas, c'est un événement qui est organisé chaque année donc, chez Formaform, qui aura lieu donc, du 17 au 31 août. Et la bonne nouvelle, hein, Sophie, on peut l'annoncer aujourd'hui, c'est que les inscriptions sont ouvertes justement aujourd'hui. Aujourd'hui, alors Céline vient de vous mettre hein, justement le lien si vous souhaitez vous inscrire ou découvrir le programme complet des estivales. On rappelle juste donc que les formations des estivales sont accessibles aux formateurs et aux autres acteurs de l'insertion socio-professionnelle.
Donc voilà, 2 journées de formation podcast si vous souhaitez aller plus loin. Il nous reste à vous remercier. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. Merci à nouveau à SmartLux de nous avoir invités. Sophie, merci pour tous tes conseils. Merci beaucoup. Merci à tous. Olivier, merci pour cette belle introduction imagée. Ah, c'était un plaisir. À très bientôt. Et enfin, Céline, merci pour ton suivi des questions et de l'accueil des participants. Un très, très, très grand merci à vous. Merci à vous. Et c'était extrêmement qualitatif. Je suis désolée. Dans le chat, nous remercie et nous disent à bientôt. Voilà, donc merci en tout cas à toute l'équipe de Formaform. C'était vraiment très, très, très chouette comme webinaire. Ça donne qu'une seule envie, c'est d'aller écouter des podcasts et d'en créer soi-même. Donc voilà, c'est vraiment très chouette et on va prendre plaisir à aller consulter les liens et à revoir le replay, bien sûr. Merci beaucoup. Merci à tous les participants. Merci beaucoup. Bon après-midi. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.